C'est l'ambassadeur qui m'a donné cette occasion et cette réception d'être avec vous et de vivre ce bon souvenir. Je remercie mon ami, mon frère, M. Chedd Bouzouya, qui a tout fait pour organiser ça avec M. l'ambassadeur. Je ne manque pas de me remercier aussi M. Zampati, qui a eu toujours contact avec moi, que ce soit pour organiser des interviews en Argentine ou ici, ou pour toute réception. J'étais même invité la dernière fois pour la fête nationale de l'Argentine et j'étais fier et j'ai assisté à cette manifestation. En ce qui concerne ce match, c'était en 86, le 22 juin, lorsque je suis parti à cette Coupe du Monde et j'étais désigné pour arbitrer cette Coupe du Monde, comme il l'a dit M. l'ambassadeur. J'ai eu un passé, j'ai déjà fait deux Coupes du Monde junior, le premier en 1977 en Tunisie et le deuxième en 1985 en URSS, l'ancien URSS. Donc, j'ai un dossier auprès de la FIFA qui est assez costaud. J'ai bien travaillé pour arriver à ce niveau-là. Au niveau de notre continent Afrique aussi, j'ai arbitré deux finales consécutives de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai arbitré toutes les finales, que ce soit Super Coupe ou les Coupes Afro d'équipe. Lorsque je suis parti pour cette Coupe du Monde, la FIFA me considère un des arbitres qui peut compter sur lui pour arbitrer les grands matchs. Alors, en arrivant là-bas, le premier match que j'ai arbitré, c'était Pologne-Portugal. Un grand match pour la qualification au deuxième tour et la Pologne a gagné 1-0. Et puis, on est arrivé jusqu'au quart final. Je veux dire une chose, que le duel entre l'Amérique du Sud, duel footballistique, entre l'Amérique du Sud et l'Europe, c'était qui va planer et être le meilleur du monde. Des deux continents qui disputent toujours toutes les équipes qui ont gagné et la partie soit à l'Amérique du Sud ou à l'Europe. Donc, il y avait quatre matchs pour le quart final. Les trois premiers matchs, trois pays européens sont qualifiés. L'Allemagne, la Belgique et l'Italie. Donc, le quatrième match pour les Européens, ils veulent que ce soit la force des pays européens. Je parle de la force footballistique. Donc ce match-là s'est déroulé à Mexico, un des meilleurs stades du monde, stade Azteca. Et vu le décalage horaire avec l'Europe, on jouait à midi. Le stade était plein, il y avait 120 000 spectateurs. La chaleur, il faisait 42 à l'ombre. On allait arbitrer ce match. Il y avait les arbitres qui étaient désignés avec moi, c'était un monsieur qui s'appelle Ulla de Costa Rica et un bulgare qui s'appelait Dotchev. Et le quatrième était un Africain du Mali. Donc, la FIFA a confiance en mes moyens. Ils m'ont laissé jusqu'au quart final, à part le match que j'ai arbitré au début, pour arbitrer ce match. Comme vous le savez, je vais vous raconter une petite anecdote. En 1966, 20 ans avant ce match, c'était ma première année où je rentrais dans le domaine arbitrage. Et comme tout jeune, je suivais les matchs de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était en Angleterre. Et par hasard, il y avait un match Argentine-Angleterre en 1966 en Angleterre, où il y a eu pas mal de disputes entre les deux joueurs. Et l'arbitre était un Russe qui ne parlait ni anglais, ni français, ni allemand, ni rien. Donc il y a eu beaucoup de confusion. Moi je voyais, j'étais jeune arbitre, je disais à ce niveau-là, il y a bagarre, alors pour les autres matchs, comment on va faire? C'est difficile d'arbitrer.
après 20 ans, c'était moi qui arbitrais ce match, en connaissant la cause, en connaissant la liaison entre les deux pays, et surtout, comme il l'a parlé, M. l'ambassadeur, la guerre des Malawi. Donc, j'étais prêt physiquement, comme vous l'avez vu, malgré la température et tout. Mais je vais dire une confidence avant de parler de ce match-là. Peut-être que ça ne va pas plaire aux citoyens argentins. Lorsque le score était 2-1, moi je dominais le match. C'est avec fierté que je dirigeais ce match. J'ai voulu que l'Angleterre égalise. Pourquoi ? Pour laisser encore une demi-heure sur le terrain. Je vous l'ai dit, ça c'est un sentiment à l'intérieur de moi-même. Mais l'Argentine mérite de gagner, elle a gagné. Donc ce match-là, ça c'était un sentiment interne parce que j'étais. Lorsque quelqu'un dirige un match et il le domine, peut-être je vais utiliser un mot, il l'écrase, il était là. C'est-à-dire, tout marche bien. Je ne veux pas quitter le terrain. Pour moi, l'Argentine a gagné et elle mérite de gagner parce qu'elle avait un grand Maradona et des grands joueurs. Mais, donc, ce que je veux vous dire, le premier but, j'ouvre une parenthèse, à cette époque-là, en 1986, il y avait l'arbitre central qui fait soit arbitre central, soit comme juge de touche, soit comme quatrième arbitre. Il n'y avait pas de spécialité dans l'arbitre assistant comme maintenant, à partir de 90. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on est allé à la Coupe du Monde, on était 42 arbitres de différentes nationalités. La FIFA nous a réunis pendant 5 jours avant le début de la compétition et a donné des consignes. Alors, lorsqu'on est allé, la FIFA nous a rassemblés. Il nous a donné des consignes. Parmi les consignes, ils nous ont dit que chacun de vous est peut-être le meilleur dans son continent ou dans son pays. Ici, vous êtes tous de même valeur. Et vous allez faire soit arbitre central, arbitre assistant ou quatrième. Si votre arbitre assistant est mieux placé que vous, vous devez prendre en considération son intervention. Si vous avez remarqué lors du premier but, qui a été marqué par la main de Maradona. J'avais des doutes, moi je trouvais dans l'arc, au côté de 18 mètres. Heureusement, alhamdoulilah, la condition physique était excellente ce jour-là. Je suivis tous les mouvements. Alors, j'étais là, les deux joueurs me donnaient de dos, Shilton et le gardien de but. Par contre, gardien de but, Shilton et feu Maradona. Par contre, ils étaient en face du juge de touche bulgare. Si vous avez remarqué, en regagnant le centre à Reguilon, je regagnais mon collègue, peut-être il va revoir la photo. Lorsque on est arrivé à la ligne médiale, on a confirmé le but, on a continué. Pour moi, le but est très correct à ce moment-là. J'ai continué à arbitrer mon match avec un moral excellent et moral. Parce que pour moi, le but est excellent et c'est le but est juste. Alors, on est arrivé au deuxième but, à partir du cercle du centre. Maradona, il a fait presque 50 mètres. Et pour dire que lorsqu'un joueur comme Maradona, tous les adversaires essayent par tous les moyens de le battre. En tant qu'arbitre, il faut savoir lire le jeu et être attentif et anticiper toutes les fautes et être là. Alors, je le suivais. À 3 reprises, ils ont essayé de le basculer. Dans une, il allait même toucher le gazon, puis c'est retombé. Maradona met en difficulté tous les joueurs avec son petit gabarit, avec ses excellentes jambes et avec la technique et surtout la rageur de vaincre qu'il a. Il veut gagner par tous les moments, par tous les moyens. Donc, le deuxième but, il a commencé à partir du centre. À 3 fois, ils ont essayé de la battre. Lorsqu'il est entré dans les 18 mètres, Le caméra suit l'action de Maradona. Moi, je voyais toujours, juste à l'extérieur de la surface de réparation, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai préparé mon sifflet. Parce que là, en lisant le jeu, avec 50 mètres d'effort, et à 3 essais de la battre, je suis sûr qu'ils vont la battre dans 18 mètres, et puis c'est sûr qu'il est fatigué. J'ai préparé, parce que s'ils vont le battre, penalty. Il faut le point vers le pénalty et le siffler tout de suite. Mais qu'est-ce que je trouve? Je trouve ballon au fond défilé et
Et Maradona a marqué le but et a fait un grand effort. Et heureusement que ce but a été le meilleur but du siècle. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, meilleur but du siècle. Et avec modestie et fierté, j'ai participé à ce but. J'ai honoré l'arbitrage, j'ai honoré mon pays. Et félicitations pour l'Argentine qui a gagné ce match avec fierté et avec Diego Maradona. Et comme je le disais, vous avez contribué à la légende de Maradona. Alhamdoulilah. Après, en 2015, le 28 août 2015, Maradona m'a rendu visite chez moi. Ça a été un plaisir et un grand événement. Je l'ai reçu avec moi. Comme vous voyez, vous avez vu les photos, je l'ai reçu avec ma tenue traditionnelle puisque j'étais chez moi. Et c'était 28, il faisait chaud. On a passé une agréable soirée. Il est venu avec sa femme. Et ça s'est passé quelque chose de... Je vais vous la raconter. Il est venu le premier, c'était le 28 août. Après une demi-heure ou trois quarts d'heure, sa femme est arrivée. Alors, on a vu une dispute entre femme et mari. En espagnol. En espagnol, j'ai pas compris. Il y avait l'interprète qui parlait espagnol et français. Alors j'ai profité, je lui ai dit, monsieur, pourquoi cette dispute? Il lui a dit, Maradona, comment je rentre en visite chez monsieur Benasseur et le cadeau n'est pas là? C'est pas logique, c'est pas juste. Puis on est passé. Il m'a offert son maillot, que vous l'aviez vu, en écrivant ce petit message et sa signature pour Amigo Eterno, Ali, Diego Maradona, et il l'a signé. Moi, je n'avais pas préparé de cadeau, je voulais être sincère. Il y avait un cadeau, le tableau, où je faisais le toss entre les deux capitaines. J'ai pris ce cadre. Je l'ai signé et je lui ai fait, et vous avez vu les photos de cette signature. Ça a été agréable soirée, mais je veux parler un peu de la personnalité de Maradona. Moi, j'ai eu le plaisir, vu mon âge, de voir presque beaucoup de monde. À partir de 1966, je suivais toute l'équipe du monde. Et j'ai vu des grands joueurs, que ce soit en Afrique ou dans les pays arabes. Mais on parlait de Pelé, par exemple, le Brésil. On parlait de Cruyff, le Hollandais. On parlait de Fontaine, le Français. On parlait de pas mal de joueurs, des grands joueurs. Moi, j'ai dit une chose. J'ai arbitré beaucoup de talents, de grands joueurs dans le monde entier. Maradona, chaque joueur, même Messi et Ronaldo actuellement, chacun a une qualité. Maradona a rassemblé toutes ses qualités. En plus de la rage de vaincre pour défendre son pays et son maillot. Il a fait une interview en japonais et a été interprété en français. Qu'est-ce qu'il disait? Et c'est pour ça qu'il a cette foule de vaincre. Il a dit que lorsque j'étais jeune, je dois batailler pour avoir un bout de pain. Donc il a cette rage de vaincre. Alors, lorsqu'il était chez moi, il y avait l'équipe qui était venue de Dubaï pour filmer cet instant. Ils m'ont demandé pourquoi vous avez marqué de la main. C'est une tromperie, vous êtes un grand joueur. Eh bien, monsieur, qu'est-ce qu'il a répondu, monsieur, dame? Il a répondu, je veux battre l'Angleterre par tous les moyens. C'était clair et net. Avec la main, avec tout ce que vous voulez. Donc, madame. Oui. C'est une espagnol au crâne. Un poco con la cabeza de Maradona y un poco con el mano de Dios. Un peu avec la tête de Maradona, un peu avec la main de Dieu. C'était c'est dans les vestiaires. C'était après le match. Oui, c'était. Il a dit. Il y avait l'interprète. J'ai demandé à l'interprète pourquoi cette dispute et puis qu'est-ce qu'il a dit. Il m'a interprété qu'il voulait battre l'Angleterre par tous les moyens. Donc, à Maradona, un grand joueur. Et j'espère qu'on a eu ce grand joueur dans ce siècle. On aura peut-être un autre joueur dans le prochain siècle pour que les gens voient du vrai football et surtout cette rage de vaincre de Maradona. En plus de sa personnalité, être humain, il fait beaucoup de bien chez lui. Il aime les pauvres. Et c'est pour ça qu'il voit que Maradona est estimé par tout le monde. Partout où il passe, il l'estime. Il a eu beaucoup de bagarres, beaucoup de choses. Donc,
C'était dans ma carrière, j'ai arbitré plusieurs rencontres avec des grands joueurs, mais avec Maradona, ça reste un grand match. Et je vous ai dit, malgré que les Argentins peut-être disent comment que je voulais l'Angleterre égalise, parce que ce match-là, c'était un de mes meilleurs matchs. Et avec plaisir que l'Argentine a gagné. Et je vous remercie encore une fois de me donner cette occasion et de me recevoir. Et bon courage et bon respect pour l'Argentine. Je me considère, j'aime l'Argentine comme un deuxième pays parce que merci. J'ai participé à ce phénomène. Je vous remercie et merci bien. Voilà. Monsieur Ali, monsieur Ali. Heureusement, cela n'est pas arrivé parce que nous, on est très mauvais à l'ère des pénaltys. Non, peut-être qu'on l'a démarqué lors des prolongations. Monsieur Maradona, clé, عندك الحلو ولا احكيوا مع الحلو. Oui. احكيوا مع الحلو. Lorsqu'il est venu chez moi, on a reçu, j'ai mis des pâtisseries tunisiennes, comme tous ces Tunisiens, Karam l'Arabi, donc c'est surtout un grand monsieur qui est venu chez moi. On a mis des pâtisseries tunisiennes, on avait, je suis sûr que vous les connaissez ici, on appelait le Kak l'Warqa. C'était une pâtisserie avec des amandes qui est faite, qui est bien faite. Et vraiment, elle est aimée par tout le monde. Donc, ils m'ont dit que Maradona, il aimait ça. Il a pratiquement, et avec plaisir, il a mangé tous les cacahuètes. Ça a été une soirée très agréable. Et je l'ai reçu chez moi, c'était un plaisir. Et j'ai arbitré beaucoup de matchs, mais ce match-là, je le garde comme souvenir. C'est pas parce que moi, j'ai fait un bon match, mais parce qu'il y avait Maradona. Et je vous remercie. Merci bien.